Bonjour peuple du Gada Gada, c'est comment Bana? J'espère que vous allez bien, non? Aujourd'hui dimanche, hier de tomber sur une vidéo ce matin, ça m'a un peu touché, dames et messieurs. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont déjà vu la vidéo, mais peut-être là, ils se sont passés d'une manière. Mais cette fois-ci-là, je vais vous représenter la vidéo. Dames et messieurs, prenez votre temps et puis suivez la vidéo. Suivez la vidéo attentivement. Parce que là, il y a un constat que moi, le Gada Gada, je vais vous dire à la fin. Comment va penser de nous à nos propos aujourd'hui? C'est des trucs que nous avons vécu, nous pour même traverser. Mais nos gens soutiennent les gens. Donc, avec les amis, ça va beaucoup plus tard. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons posé, nous avons fait un peu de temps. Nous avons surprisé. Donc, en bas, nous avons fait un dossier. Donc, d'abord, tout le cas, c'est que vous avez beaucoup de voyages. Donc, il y a un petit salon. Ah, vous avez vu ça? Il y a un petit salon. Donc, il y a un petit salon. Donc, il y a un petit salon. Donc, il y a un petit salon. Et après, il y a un petit salon. Il va soutenir l'idée. Bravo! Avec l'école de l'école. Donc à Bobo Boy Mbaya, donc il a besoin de soutien et quand la détail a mis comme on a dit pas mal de prix là. Donc on va donc on te va quand on vit les nous quoi on a les filles parce qu'à mes supports ici wa on y en a. Mais non, il y a pas de problème là. Quel papa appelle ouais, ma mère appelle ouais là, y a un peu pas loin. Eh ben, nous appelle ouais. On ne sait pas, mais avec le temps on va voir ça. Donc à Bobo, on a encore non. Bon, on a pose prévu ça la première question. Et moi plus ben, alors les copains, les copains là appelle ouais. Et c'est qu'il y a des gens qui ont regardé la vidéo, pendant que moi-même, le gars, je ne suis pas encore arrivé pour parler là. Vous avez commencé à mettre les commentaires là-bas. Oui, ça là, même moi, je sais. Parce que quand moi, j'ai vu la vidéo là, la partie où Bobo Pelit est arrivé en même temps là, c'est mon humeur a commencé à faire d'une manière. Je n'ai pas compris au fait. Je n'ai pas compris. Bobo Pelit, que nous, on voyait sur Internet avant. Il a la bouche. Bon, je ne sais pas si c'est il ou bien elle. Bon, il a la bouche. Il parle, pac, on dirait perroquet, ça là. C'est Bobo Pelita que moi, il chante et voit là-bas. Bobo Pelita qui faisait les lives, c'est un mois, il voit là-bas là. Tellement que la prison a tout changé dans sa tête. Non, il a caméra, il a peur de caméra maintenant. On a mis caméra sur lui, il dit que il a honte. En tout cas, les gars, le but de ma vidéo, ce n'est pas pour venir dire, pour venir la dénigrer ou bien pour venir parler de Bobo Pelita. Non. C'est pour parler de son business que
vous êtes en train de regarder là-bas. C'est mal là. Ça ne nous coûte rien. Ça ne nous coûte rien de le soutenir, au fait. On peut le soutenir. C'est un fils du pays aussi. Pardonnez. J'espère qu'il y a les go. Même s'il n'y a pas les go sur ma chaîne ici, là. Il sait qu'il y a les gars. Nous les gars, là, nous, on a les go, non? Même si tu as ta propre go à la maison, là, tu as convoitisé d'autres go ailleurs. Si tu es payé péri pour ta go que tu es en train de convoitiser pour gagner son cœur, là, pardonnez. Va voir Boubou Péri, tu as payé. Péric là, tu as payé Péric là, au moins là, tu as payé un chez elle. Non, chez lui, je ne sais pas. Bon, en tout cas, prenez comme vous voulez. Il peut dire lui ou bien il peut dire elle. Bon, en tout cas, ça là, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Donc là, pardonnez, soutenez Boubou Périta. C'est important. Voyez là, moi, je vois qu'il y a quelque chose qui est dans son être, dans son corps qui n'est pas encore sorti. Il ne sait pas combien d'années il a fait là-bas. Il ne sait pas combien de mois, pardon, il a fait là-bas. Mais. Si on le soutient d'une manière, peut-être là, il peut oublier ses vécus, au fait. Il peut pas tout oublier, mais il peut se soulager un peu. Donc, c'est le but de ma vidéo. Donc, les gars, les tontons, les tantis qui me regardaient, pardonnez, essayez d'encourager Boubou Périta. Il a déposé son numéro. Essayez de l'encourager. Maintenant, il y a un jour, qui a fait une vidéo qui m'a aussi tombé dessus, qu'il y a la France qui a légalisé les îles. Quand ils demandent asile maintenant sur la France que homosexualité là, tu apprends ça, c'est le cas de Boubou Périta, tout truc là. Bon, je sais pas pourquoi la France a fait ça, mais et puis ils ont validé ça pour le Togo. Là, tout le monde va devenir pédé maintenant. Tout le monde va devenir homosexuel. Voilà, tellement que tout le monde veut aller en France, tout le monde veut aller à Bengui, tellement que tout le monde veut quitter le pays là. Là, moi-même, Dieu, est-ce que les gars vont devenir pédé? En tout cas, c'est pour m'amuser. Donc, si c'est, je vous laisse regarder la petite partie de la vidéo de Anzou Tegbe et puis on se capte tout à l'heure. Par là, ce soir, il y aura les 20 000 abonnés qui ont tombé. Donc, restez branchards. Homosexualité au Togo. Depuis ce vendredi 19 juillet 2024, la France offre le statut de réfugié aux personnes LGBT. En effet, c'est la Cour nationale du droit d'asile en France qui a statué ce vendredi 19 juillet 2024 sur le cas des personnes homosexuelles du Togo qui sont souvent sujets aux menaces et toute forme de violence. Désormais, les homosexuels du Togo, s'ils font la demande d'asile pour la France, ils l'obtiendront facilement parce que la Cour nationale du droit d'asile leur donne désormais le plein droit. Ah, voilà, Ange nous a informé. En tout cas, c'est lui qui m'a vu l'information. Tellement que lui-même, là, ici, il est un chercheur, je ne sais pas. Il est un grand chercheur. On dirait, comment on dit, ceux qui font les recherches là, comment on l'appelle? Les explorateurs, non? Les explorateurs, les trucs là, ceux qui font les découvertes, tout là, c'est les explorateurs. Ouais, ok. Anzou Tegbe, c'est un grand explorateur aussi. Donc, lui, là, c'est chez lui, souvent, comment il voit les informations d'autres pays, là. Quand il veut m'informer un peu sur l'actualité d'autres pays, là, c'est sur son compte que moi, il m'avait. Et puis, il m'actualise un peu. Il fait les mises à jour. Donc, Anzou Tegbe, merci pour l'information. Tellement que moi, j'ai reçu l'information chez toi, il n'y a plus besoin d'aller chercher moi-même. Il sait que toi-même, là, tu ne veux pas venir nous donner fausses informations. Donc, voilà l'information qui est là. Anzou Tegbe nous a parlé. C'est un frère aussi. Il nous a parlé. Donc, et je ne sais pas si l'homosexualité va être punie encore au Togo. Bon, je ne sais pas. Homme, c'est la France de Togo. Et puis la France, c'est comme marié-femme de Togo. Et puis la France, je ne sais pas qui est le garçon, mais qui est la femme. Bon, c'est peut-être ça. C'est la femme qui est le Togo. Et puis la France, c'est le mari. Donc, tellement que la France veut bien Mogo de Togo. Bon, à part de soucis. Donc, si c'est les gars. C'était le Jogoto, le Gada Gada, le Kaka, le Kagoulo, le Srepagno, le Aipopo, Chabelo, désormais le Jesus Christ du showbiz togolais. Il a déposé ma tenue de soldat, hein, parce qu'il a pris ma retraite. Parce qu'il y a trop de convocations là-bas. Donc maintenant, là, quand ici, devenu Jesus Christ, là, au moins là, vous allez me sanctifier ou bien vous allez me crucifier. C'est des choses qui sont là-bas. Tu me crucifies bien, tu me sanctifies. En tout cas, il veut la paix. Ou bien, dans, avec Jésus, là, c'est la paix éternelle. Voilà pourquoi désormais, et je dis pas que ici, Dieu. Je dis le Jesus Christ du showbiz. Ne venez pas me dire en commentaire que oh toi, Gada Gada, arrête ça, tu es en train de blasphémer. Il n'y a qu'un blasphémage ici. On est ensemble. Portez-vous bien et puis bon dimanche à vous. Priez, 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 priez
pour la nouvelle semaine qu'on va débuter demain. Ciao.